ADAP et ses partenaires lancent Interdépendance. Écrivons, réalisons ensemble la première grande opération nationale de sensibilisation et d'information sur la prise en charge à domicile des personnes fragilisées. Objectif de l'opération ? Vous informer, vous sensibiliser et vous donner la parole sur ce sujet au cœur des enjeux de notre société. Vous êtes ou vous avez été confronté au handicap ou à la dépendance d'un proche. Vieillesse, handicap, accident de la vie, maladie rare, grossesse difficile. Cette situation a profondément bouleversé votre vie, votre quotidien et ceux de vos proches. Vous faites ou vous avez su faire face à cet événement. Et la situation est désormais stabilisée, apaisée, gérée. Alors, si vous êtes concerné par la prise en charge à domicile d'un proche, ou si vous l'avez été, vous aussi, témoignez. Racontez-nous vos histoires, vos craintes, vos doutes, vos espoirs, vos expériences et les solutions qui ont été mises en place. Et participez avec nous à ce débat national crucial. Vos témoignages seront peut-être sélectionnés pour devenir l'un des 40 épisodes du programme télé Interdépendance, qui sera à l'antenne au printemps 2013 sur France 3. Trois temps forts dans l'opération Interdépendance. Première étape, participez à la grande opération en ligne et racontez-nous vos histoires sur le site de l'opération. histoire-interdépendance.org. Dans un second temps, retrouvez une sélection de vos histoires dans les 40 épisodes du programme télé Interdépendance, diffusé tous les soirs sur France 3. Elles montreront comment une chaîne de solidarité humaine et une chaîne de compétences peuvent changer le quotidien d'une personne fragilisée. À la rentrée de septembre 2013, retrouvez toutes vos histoires dans les colonnes de vos quotidiens régionaux et sur vos chaînes de télévision locales. Vous êtes concerné par ce grand débat de société ? Réalisez, écrivez avec nous les 40 histoires du programme Interdépendance. Impliquez-vous dans la première grande opération d'information et de sensibilisation à la prise en charge à domicile des personnes fragilisées.